C'est une Alpheta 159 avec laquelle Juan Manuel Fangio a été champion du monde en 1951, mais peut-être un petit retour en arrière pour rappeler comment Alfa Romeo est arrivé à concevoir ces autos-là. Dans la fin des années 30, Alfa Romeo avait de plus en plus de mal à lutter contre la surabondance de puissance des monoplaces allemandes, notamment Mercedes et Audi. Et une nouvelle réglementation est apparue à la fin des années 30, en 1938, qu'on appelait les voiturettes. En fait, c'était des voitures qui devaient être réalisées avec des moteurs de 1500 cm3 surcompressés. Et Alfa Romeo s'est lancé dans cette technologie et a sorti la 158. Donc les voitures n'ont pas été utilisées, bien évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont été mises à l'abri, d'ailleurs, de façon très, très judicieuse par les dirigeants d'Alfa, dans une petite ville au nord-est de Milan, une trentaine de kilomètres pendant le conflit mondial, ce qui a permis de récupérer les autos après la guerre et de commencer à les faire courir. Le premier championnat du monde a été organisé en 1950 et c'est l'Alpheta 158 et non 159 qui a remporté ce championnat avec Nino Farina. Nino Farina a gagné le premier Grand Prix de Formule 1 à Silverstone en 50 et à la fin de l'année a devancé Fangio de quelques points. Fangio n'était que deuxième. La 159 est une évolution de la 158. C'est un moteur qui a été dessiné par Gioacchino Colombo. Un moteur 1500 cm3 suralimenté qui développait 430 chevaux à 9300 tours minute qui permettait d'atteindre une vitesse de 300 km/h. Il faut dire que la voiture est relativement légère, elle fait 700 kg. Et Fangio a pris sa revanche sur Farina en 51. En gagnant à la fois le Grand Prix de Suisse et le Grand Prix d'Espagne, qui était le dernier Grand Prix de l'année, en devançant Ascari, qui courait pour Ferrari à l'époque. Et il a gagné le Grand Prix, il a gagné le championnat avec 2 points d'avance sur Ascari. C'est une voiture qui roule toujours, que le musée sort régulièrement, qui a participé notamment au meeting de Goodwood en 2008, en 2010. Elle tourne aussi à Balocco de temps en temps. Enfin, c'est une voiture qui roule, absolument. Fangio, bon, son histoire est connue. Hein. Il a gagné 5 championnats du monde de Formule 1, mais il faut reconnaître que le premier, c'était au volant de cette voiture, au volant de l'Alpheta. Les deux autres, bon, les quatre autres qui ont suivi, pardon, c'était avec Mercedes. Puis la Lancia Ferrari et puis la Maserati en 1957.